Lorsque notre enfant a eu un an, mon mari a commencé à me frapper. Soit il attrapait mes cheveux et me cognait contre le mur, et de l'autre main il attrapait mon cou, soit il attrapait mes cheveux et me maintenait au sol. Avec les poings et avec les pieds, il me frappait dans le dos, sur tout l'arrière du corps. En un an, j'ai appelé la police 6 à 8 fois, mais cela n'a servi à rien, car elle considère les violences conjugales comme une affaire de famille. Alors j'ai décidé de lancer une procédure de divorce. Pendant la procédure, mon mari et sa mère ont enlevé mon fils et ils l'ont caché. Du coup, cela fait 2 ans que je n'ai pas revu mon enfant. J'espère que mon expérience pourra servir à faire évoluer la loi pour permettre à plus de femmes d'être protégées. C'est mon humble contribution pour éviter à d'autres personnes les blessures causées par les violences conjugales.